Bonjour les amis. Alors voilà, une petite confidence personnelle comme ça qui m'a beaucoup aidé dans la vie, notamment dans les interactions que j'ai quand je suis en réunion de famille par exemple, ou avec des amis, ou peut-être parfois dans mon travail, et encore plus quand je suis avec des nouvelles personnes que je rencontre. C'est l'équilibre qu'il y a entre ce que je reçois et ce que je fais passer. C'est-à-dire que quand je communique, surtout si j'ai beaucoup de choses à dire, eh bien c'est de m'assurer que la personne va parler au moins autant, si ce n'est plus, que moi. C'est-à-dire que même si c'est moi qui lui explique des choses et qu'elle m'écoute avec beaucoup d'attention, eh bien c'est très important pour moi de lui redonner la parole, de lui dire « Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça ?» et de l'amener à lui poser des questions pour qu'elle s'exprime plus, si elle a du mal à le faire. Ou au contraire, eh bien du coup, moi, de prendre ma place et d'interagir si c'est plutôt elle qui parle. Mais l'idée, en fait, le petit truc, c'est de vérifier régulièrement que vous êtes dans des allers-retours. Il s'exprime, je m'exprime, il s'exprime. Voilà, de gérer cet équilibre des choses et de vous assurer que vous n'êtes pas trop en train de parler tout seul et qu'il y a peu de retours, parce que sinon, eh bien, vous allez créer un déséquilibre. Et plus vous allez gérer cet équilibre, plus vous allez voir que les deux parties se retrouvent et plus du coup, ça coule beaucoup mieux ensemble dans le fait que chacun prend sa place en fait. Expérimenter, vous allez avoir cette attention, équilibre des deux, chacun parle autant, équilibre, aller-retour, vous allez voir, c'est très très sympa. Expérimenter ça, c'est une petite confidence, moi, que je vous donne aujourd'hui, parce qu'elle a fait une énorme différence pour moi dans plein de situations. À tout bientôt, je vous en prépare d'autres. Ciao.